Il a aucune idée de tout ce qui se passe. Parfait. Préparez-vous à boucher à mon arrivée. Vous avez trouvé le Joker, monsieur ? Oui, il se trouve dans la suite. Je vois que vous avez suivi mon conseil. Une fois encore. Pas encore. Il sera difficile de l'atteindre. Les ascenseurs sont en panne et les hommes du Joker sont partout. Je suis sûr que vous trouverez un moyen de monter. Quand est-ce qu'on bute les clients de l'hôtel ? Le Joker dit qu'on peut tuer les employés. Ah ouais ? Pourquoi ? Le Joker est trop occupé à décorer ce bel établissement. Ça sent les problèmes ! On va t'envoyer en enfer. Ensemble, on va l'arrêter. On va l'avoir. C'est bon. Batman a fait venir ici. Tu sais que tu es un peu en retard pour le dîner. Heureusement, ton cher ami Bane a formellement refusé de commencer à manger sans toi. Apparemment, il préfère déguster ses plats au bois. Que dalle, putain! Mais et moi, je m'en tamponne de ta famille. Oh! C'est bon, c'est allez, qui, on va voir! Descendez-moi, salopard! Livraison express! C'est notre tour! Pas de mal. Tout va bien, je vais vous aider. D'accord, pitié, ils retiennent mes amis, ils les séquestrent dans le bar panoramique. Où ils se trouvent ? Le bar suspendu, entre les tours.
employés de l'hôtel sauvé pour toi est... Oh, bon sang, je suis toujours largement en tête en ce qui concerne le nombre d'employés tués. Je sais que toutes ces petites merveilles sont tentantes, mais ne t'avise pas de prendre un cadeau. C'est pas pour toi! Ne pleure pas, je suis généreux. J'ai un cadeau spécial, rien que pour toi, là-haut. Et tu verras, il est entouré de plus de 200 kilos de gros muscles. Batman, vite! J'en connais un qui va être flingué! On dirait que c'est toi qui va être flingué! C'est vraiment pas de veine! Quel dommage! Pour moi, ce n'était pas incroyable! À toi, Spring! Tu fais bien de garder tes souvenirs! On est prêt à se battre! Qu'est-ce qu'il veut pas des nuits? Mais qu'est-ce que tu parles? Lui, qu'on est pas bon! Je dois grimper au sommet de cette colonne de ventilation.
2, ici Brandzen. Black Mask a enfin répondu. Négatif, pas de nouvelles de lui depuis son entrée dans l'avion. Cet enfoiré d'Isionis pense pouvoir nous ignorer. Et pour Gordon? On l'a envoyé sur une attraction dans le radar d'action abandonné. Mais il paraît que Ricky Bay va prendre une parée. Brandzen, je suis prêt. Descendrais pas ici pour surveiller, et moi je te remplacerai un peu. C'est ça, comme si Batman allait m'échapper. Ils se sont vraiment surpassés dans cette suite de luxe. La salle de bain a 3 savons différents. Franchement, qui a le temps de se laver autant? Moi, il me suffit de sauter dans un bain d'acide et le tour est joué. Il est là! On arrête de rigoler! Viens là! Oh! Attends! Ce que j'ai fait de cet endroit. Ah, je sais. J'ai un peu abusé, comme tu que je te dis ça. Je suis un peu obsessionnel de temps en temps. Ça se coule bien, parce que t'as fait quand le premier gars s'est mis à gueuler. Pour être très honnête, qu'est-ce qui se passe?
Ding dong, Batman est mort. Quel Batman? Le grand crétin. Ding dong, ce crétin de Batman est mort. Tu dois te demander où j'ai trouvé tout ça. Eh bien, j'ai eu un bon prix auprès d'un parc d'attractions fermé juste au coin de la rue. J'aurais voulu que tu vois la tête de l'agent immobilier quand on a échangé une poignée de main pour conclure l'affaire. Ah, bien tenté. Mais tu ne t'en sortiras pas. Tu vas devoir rester ici jusqu'à ce que je fasse entrer les clients de l'hôtel. Je sens que ça... Je m'ennuie. Si tu ne trouves pas bientôt, je vais faire la sieste en attendant Papa Noël. Jolie ceinture. Si j'essaie de le faire sortir, il sera électrocuté. Je vais devoir suivre les règles. Quand tu étais gamin, tu as déjà essayé de rôder l'hymne national. J'ai jamais été tout ça. Mais ce gentleman prétend être beau. Histoire de nous amuser, voyons comment il s'en sort pendant que je l'électrocute. Oh, ça sent la cervelle de chauve-souris. Waouh, ça c'est ce que je préfère entre tout. Ça me rappelle mon enfance. Le goût du pop-corn, les cliquetis des manèges, la puanteur des clodomores qu'on retrouvait sous la promenade. Ah, c'était la paix. C'est ton sens de l'humour. Tu n'as pas souri une seule fois de la soirée. Et tu connais le dicton, hein? Qui ne sourit jamais finit en macabre. Impossible qu'il ait pu passer ce ciel.
T'as tout à faire, crois-moi. Je suis là. Ouais, gigote un peu. Batman, je veux déclarer forfait. Allez, c'est ce que je vais te faire. Nous échapper. Hein. Pitié! Non, pitié! Allez, on retourne au bar. Qui êtes-vous? Je vais vous aider. Il y en a encore. Ils retiennent mes collègues. Ils les obligent à... Vous en faites pas. Je vais les aider avant que ça tourne mal. D'accord. Faites vite! Est-ce qu'on peut tuer ces gars? Oui, tu as raison. Allons-y. Il dit qu'on peut les tuer! Les gars, regardez! Je suis à la télé! Salut, maman! Hé, Vicky! Viens ici, chérie! Viens donc t'amuser!
Les otages sont sauvés. Je dois filer jusqu'à la suite pour arrêter le Joker. Merci. Qui que vous soyez. Jamais vu une chose pareille. Ces bombes sont réglées pour exploser le 31 décembre. Je devrais pouvoir les désamorcer avec mon séquenceur cryptographique. Thank you.
Monsieur, j'ai vu l'explosion du Royal de Gotham à la télé. Les clients de l'hôtel sont-ils en sécurité? Non, malheureusement. Monsieur, vous allez bien? Votre voix... Je vais bien, Alfred. J'ai déjà affronté des psychopathes, mais là... Monsieur, je vous suggère fortement d'appeler le capitaine Gordon. Il pourrait être un allié de premier ordre. Je n'ai pas besoin d'alliés. Je vois que les hommes du Joker ont été éliminés ici. Bien joué. Mais n'oubliez pas, notre principal objectif est Batman. On doit rester vigilant. Il nous échappera pas. Mais c'est le seul chemin qui mène à la suite. Espérons que vous ayez raison. Le temps nous le dira. Batman. Vous savez, ça fait un bail qu'on attend. Et votre Gervais n'a pas encore sauté sur ce tas de pognon. Pas une fois. Si par miracle tu arrives à sortir d'ici vivant, Batman, je t'ai préparé quelque chose de très spécial, mon cher. Pourquoi Bane le laisse te démerder avec ses blabla? Problème technique pour les gars, parce que Batman vient de faire tomber la faute.
Regardez-moi ça! Un autre gars de Bane est au tapis! Je suis choqué! Au fait, pas du tout. On est des proies faciles pour lui! Je... Brandon à 6-4, sur le site Royal, quelqu'un a repéré Batman? 6-4, grimpe jusqu'à la suite pour rencontrer Sioni. Bien, ils descendront, on sera prêt pour eux. Allez, en position. C'est gentil à toi de passer. Et pile à l'heure. Je m'en charge, Payasso. Ah ah ah, n'oublie pas, tu m'as donné ta parole. Tu as une minute. Ils n'ont donc aucune manière là d'où il vient. Tu vois ? C'est une sorte de tradition chez moi. On ouvre chacun un cadeau le soir du réveillon de Noël. Pourquoi pas... celui-ci. Héron, héron, petit patapon. Combien de filles est-ce que t'as volées? Aucune, je crois. Ce n'était qu'un petit cadeau de Noël, un site de construction qui me bouchait la vue. Mais pas celui-ci. Dans ce moment depuis si longtemps, avec ta mort, je serai en paix. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. J'ai l'honneur de vous présenter la mort de la chauve-souris. Voyons voir ce que tu sais faire.
réfléchir, Batman. Je pensais que tu serais un adversaire redoutable. J'attendais à un meilleur combat. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, j'ai l'honneur de vous présenter la mort de la chauve-souris. Monsieur, l'analyse de votre tenue révèle de multiples blessures. Vous non, devriez vous retirer. Maintenant. Sache bien que Gotham souffrira une fois que je t'aurai éliminé. Les gars, on peut passer à autre chose. Je vois que tu as encore un peu de temps. Allez, vas-y, éradique-le. Portez-les en route, monsieur. Retenez Bane jusqu'à son arrivée. Allez, allez, allez! C'était la nuit précédente. Dans toute la maison, les créatures étaient en plan. Même... une chauve-souris s'agit. Mais quelques coups sur la tête et le tour fut joué. J'en aurais fini avec lui. Bats-toi! Tiens-toi prêt! Je l'ai ressenti! Oh, allez! Essaye-moi de te battre! J'en veux pour mon argent! 50 millions de dollars! Ah, ah, ah. On dirait que c'est terminé. Ce fut un plaisir. En fait, pas. Les hommes ne sont pas.
Allez, Batman! C'est bientôt la fin, Batman! Le délai est dépassé! À terre! Je répète, à terre! Voilà ce que j'appelle une fête! Ce toit commence à être trop chaud! Tu t'en es bien tiré. Où est-ce que tu comptes aller exactement, hein? J'ai un scoop. C'est moi, celui qui essaie de t'étriper. C'était de très vilains. Vilains garçons. Ils ont fait des horreurs. Mieux vaut ne rien savoir. Ils méritaient la mort. Tout comme moi. Bouge pas, taré! Je crois que c'est à toi qu'il parle. Butez-le! Allez! C'est pas vrai. Il s'est enfui. Emmenez-le à Blackgate. Il est où? Hein? Qui? Batman, ton partenaire. Mon partenaire? Qui d'autre sauterait d'un bâtiment pour te sauver la mise? Vous voyez, officier? Je me demandais exactement la même chose. Bienvenue à Blackgate. Nous allons faire une simple évaluation psychiatrique. Les flics de cette ville, ils s'en prennent toujours aux plus faibles. Répondez franchement. Vous croyez vraiment savoir ce qu'est une mauvaise journée? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que la mémoire peut parfois être extrêmement cruelle. Les coups de tonnerre aigus et mordants, les troubles faits impromptus qui hurlent dans toutes vos synapses, sans prévenir toute la journée. C'est un peu plus douloureux. Et impossible de se réfugier dans la folie. C'est alors que vous rencontrez quelqu'un qui change votre vie. Et vous ne savez plus vraiment qui vous êtes. Étrange. Comme une rencontre peut détruire les dernières bribes de votre passé, déformer vos souvenirs, l'image que vous avez de vous,
jusqu'à reconstruire toute votre identité. Et comme vous comprenez, combien c'est ridicule. Votre rire résonne contre les murs de votre propre vacuité. D'accord. Je vais avoir besoin de précision si on essayait d'associer des mots. Ça me paraît séduisant. D'accord. Encore un. Et vous devez être sérieux cette fois. Destin. Vous voulez en savoir une bonne? Avant, je pensais que le destin, c'était négatif, prédéterminé, non par une force supérieure, mais par les règles de la nature humaine. Mais ce soir, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Avez-vous déjà eu le sentiment étrange que votre vie tout entière était faite pour vous amener à un moment précis? Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Maintenant, oui. Je réalise que tous les combats, les mauvais jours, les brutalités, tout ça, c'était l'œuvre du destin. Alors, vous voyez le destin différemment? Tout à fait. Maintenant, je comprends. Il n'y a pas de hasard dans mes rencontres. Tout devait être ainsi. Tout m'a mené jusqu'à ma rencontre de ce soir. Ah, vous avez rencontré quelqu'un de spécial? Oui. Et on peut dire que cette rencontre a tout changé. Tout changé? Absolument. Enfin, vous êtes consciente que nous vivons dans un univers terrible, qu'il est très difficile d'avancer dans la saleté et la misère quand on est seul. On est toujours un peu seul. Pas vrai? C'est ça. C'est ça. Vous comprenez? Même dans une foule de tordus, on se sent seul. Qu'on veut frapper, griffer, crier, hurler de toutes ses forces. Et tout le monde s'en fiche. C'est comme si on n'existait pas. Je me sens... Parfois, j'ai l'impression d'être pris au piège sur un chemin qui ne mène à rien d'autre qu'au néant. Mais non. Maintenant, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un à vos côtés pour partager ce voyage avec vous. Oui. Et cette personne m'a montré comment sortir de cette route qui mène droit à la folie. Beaucoup plus intéressant. Et que ressentez-vous alors? J'ai l'impression d'être à la dérive, de flotter, comme si quelqu'un avait fait éclater ma réalité et que j'étais aspiré dans quelque chose de nouveau. C'est une sensation très excitante. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, je pense. En fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que cette personne vous fait ressentir? C'est comme de rencontrer quelqu'un qui peut me comprendre. Ce que, croyez-moi, je n'avais jamais ressenti avant. Vous comprenez? Vous n'avez pas peur de vous laisser aller et de tomber. En chute libre! Et je n'ai pas de parachute. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, je vois. J'en étais sûr et certain. Vous pouvez me dire qui est cette personne? Oh, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment spécial. Une personne dont je ne connais pas encore le véritable nom. Je m'appelle Arlene. Arlene Quinzel. C'est un très joli nom.
Est-ce que vos amis vous appellent Harley ? Oh, je n'ai pas beaucoup d'amis. Bien, Harley. Vous en avez un maintenant. Le moment est sans doute mal choisi, mais j'espérais que vous seriez d'accord pour fêter le réveillon de Noël, maintenant que le Joker est en prison. Ben est en liberté. Je dois localiser le signal grâce au mouchard que j'ai mis sur lui. Il faut bien que vous mangiez, monsieur. Si vous n'aviez pas appelé la police, il aurait déjà été arrêté. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à avoir fait une promesse à vos parents. Aucune victime en vue. Plus tard, Alfred. Qu'est-ce qui s'est passé dans le quartier ? Tout a été évacué. On a trouvé des bombes dans les fondations. C'est le même genre que celle du Royal. C'était une espèce de cinglé. Il devait peser dans les 200 kilos. Il a quand même fallu 6 flics pour le mater. Ouais, j'ai vu son corps à la morgue. J'en revenais pas. Il peut s'agir de Bane ou d'un de ses hommes. Si je file à la morgue, je pourrai examiner le corps et le rapport d'autopsie. Bien. Avant que vous partiez, j'ai testé le composé que vous avez trouvé à la scierie. Ça semble correspondre à votre projectile globulaire pour entrave non létale. Vous voulez dire ma grenade collante ? C'est ça. La résine doit être prête. Elle est sur votre établi. Bien sûr, je vous recommande de la tester dans notre labo avant d'y aller. Mais je parie que vous ne m'écouterez pas, comme d'habitude. Vous n'avez pas l'intention de la tester, n'est-ce pas ? Rien ne vaut la pratique, Alfred.
Maître Bruce! Non! Maître Bruce! Bruce! Enfin, qu'est-ce que... Il est hors de question que je vous autorise à partir comme ça! Vous êtes tout seul contre ces assassins! Et quoi? Vous êtes loin d'être un bagarreur aguerri! Vous êtes un jeune homme très fortuné et en colère! Vous êtes dépassé par tout ça! Et je ne veux pas que vous y perdiez la vie. Alfred, qui voyez-vous lorsque vous me regardez? L'enfant dont vous faisiez les lacets tous les matins? La doupe vous conduisit à ces rencarts? Pendant que vous passez vos nuits ici, je suis dehors. Je suis le seul rempart entre les innocents c'est et les peut-être prédateurs. Vrai Non, mais... pas peut-être. C'est vrai. Quand l'agresseur ou le voleur s'arrête pour réfléchir, c'est de la peur. Voilà ce que je suis. S'ils ont employé des assassins, c'est parce que c'est à cause de moi que les criminels respirent mieux quand le soleil se lève. Alors non, Alfred, je ne suis pas dépassé par tout ça. Je ne serai pas vaincu ce soir. Mais eux le seront! Je sais que je ne peux pas faire ça. Je vais devoir trouver un moyen. Bien d'éviter d'être repéré. Exact. Écoutez, je suis désolé pour ce que je vous ai dit. J'espère que vous comprenez que c'est parce que... C'est bon. Je comprends. Merde. Quelqu'un a détruit l'immeuble Ellsworth. C'était pas quelqu'un. C'était le Joker. Il y a des bombes partout dans la ville. C'était que le début. Et on sait où. Et si mon immeuble était une cible, lui aussi? Oh mon vieux, je peux vraiment rien te certifier. Le GCPD a mis l'équipe de déminage sur le coup. GCPD...
disponible pour une mission spéciale. En attente.
Comment on va buter ça? À toutes les unités, tout le monde doit être en mission. Pas de 10-10 pour le moment. D'accord, pas de problème.
tranquille, Batman. D'accord. Et voilà que quelqu'un fait sauter. Qui a parlé ? Ce mec est une bête. Il a eu des tas d'emp... Tuez-le !
J'espérais que tu viendrais. Ça m'évite d'avoir à me lancer à tes trousses. T'as pas appris à abandonner, Sionis. J'imagine qu'on doit avoir ça en commun. D'une façon ou d'une autre, je vais t'arrêter. On peut faire ça avec douceur, ou... C'est ça. Ou alors je peux m'énerver. Je pense que tu connais mon choix. Ça nous fait un autre point commun, alors. Bon, allez, fais... de faire ça toute la... J'ai l'avantage numérique, Batman. Ce qui veut dire que j'ai l'avantage toute la... Avec tout ce qui se passe dans Gotham ce soir, tu décides de perdre... Je vais lâcher. Alfred, prévenez le GCPD que Roman Sionis a été arrêté. Ils le trouveront à l'église. Tout de suite, monsieur. Tu sais ce que j'apprécie chez toi, Batman. Même quand je perds, je gagne. Alors vas-y, appelle les flics. Ils vont m'enfermer, ouais. Mais mon avocat me fera sortir sous caution avant le lever du jour. Et tu sais ce que je ferai quand je sortirai ? Je consacrerai tout mon temps libre à te rechercher et à t'éliminer. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu pourras absolument rien y faire. Parce que le système judiciaire que tu aimes tant, c'est de la blague. Et toi ? Tu en es l'emblème. Parce que tu nous arrêtes sans cesse. Et qu'on finit toujours en liberté.
pas le suspect. Il y a une baston là-bas. Allez. On va. Enigma, où te caches-tu? Je suis juste là. Enfin, façon de parler, bien sûr. T'es déçu que je ne sois pas là en chair et en os. Qu'est-ce que tu fais? Sionis t'a embauché pour me ralentir? Considère-moi comme une sorte d'informateur. J'ai des syndics un petit peu partout, qui m'apprennent tout un tas de choses intéressantes. Et tu crois vraiment que tout ça va détruire Gotham? Oh oui. Les blessures par balles et les os brisés, ça finit par guérir, mais les photos compromettantes, les vidéos, les emails, les dégâts de ce genre sont irréparables. Demain matin, quand je divulguerai ce que je sais, la ville va s'effondrer. Démission, arrestation, meurtre, ce sera le chaos dans les rues, Batman. Et tu ne pourras strictement rien faire pour m'en empêcher. Tu essaierais de détruire mon matériel. J'ai bien peur de l'avoir protégé par un mot de passe et par un courant de 10 000 volts. Tu as perdu, Batman. Autant rentrer chez toi faire un bon dodo. Avec tous les pires secrets de chacun qui vont être révélés à tous, j'ai comme l'impression que tu vas avoir beaucoup de boulot demain. D'une façon ou d'une autre, je vais t'arrêter. En détruisant tous les relais réseau, je pourrai accéder au serveur et l'éteindre. C'est la seule façon de l'arrêter. Il doit s'agir des hommes dont il parlait. Je peux les utiliser pour traquer les données volées qu'Enigma a récoltées.
Basque est pas mort ? Non. Et que c'est pas lui qui a tué l'aube ? Non. Et que c'est plus lui qui contrôle son gang ? Non. Et qu'un nouveau gars en ville a repris son gang et a magouillé tout ça ? Ouais. Et que c'est le gars qui a tenté de faire sauter le poste ? Ouais. Et que maintenant il est à Blackgate ? Ouais. Alors qui est-ce qui contrôle le gang de Black Mask ? Tu la fermes jamais ? Non. Putain!
pas. J'étais pas loin de te coffrer. Et maintenant, t'auras plus que des dents cassées si tu ne me dis pas où sont cachées les données volées. Je vais te dire où elles sont, mais ça te servira à rien. Je serai debout dans une heure, et je te traquerai. Non, tu rêves. Peut-être que la grenade collante peut stopper la vapeur. Ce n'est pas Bane, mais l'un de ses hommes. Celui que j'ai vu lors de l'émeute dans les cellules tout à l'heure. Je dois examiner son cadavre. La victime a reçu un produit chimique qui a entraîné une déformation temporaire de sa physiologie. Je vais devoir lire le rapport d'autopsie pour en savoir plus. Cet ordinateur doit contenir le rapport d'autopsie que je recherche.
Je dois chercher le rapport d'autopsie dans l'ordinateur avant de partir. Je ne devrais pas partir sans consulter le rapport d'autopsie. Intéressant. La victime utilisait un puissant composé présentant de nombreuses similitudes avec le venin au moment de la mort. Cela change les muscles de l'utilisateur et la structure des os, ce qui améliore la force pour une courte période. Quel que soit ce composé, il réduit les capacités mentales de plusieurs façons, y compris en causant de gros dégâts au niveau de la mémoire. Une utilisation prolongée pourrait sérieusement endommager la mémoire de l'utilisateur. Voilà le mouchard de Bane. À toutes les unités, on nous a signalé des tirs dans le quartier de Coventry. D'après les témoins, les deux groupes armés s'affrontent pour des armes chimiques apparemment. Je demande aux agents disponibles de se rendre sur place. Des armes chimiques ? Je devrais aller voir. Je dois filer à la position de Bane avant de reperdre la trace du signal. Délit de fuite devant le GCPD, ce n'était pas un accident. La victime s'appelle Nate Tremo, il faisait partie du SWAT. Toute son équipe est surveillée de près par les bœufs carottes en ce moment. Je me demande ce qu'il faisait là.
On dirait qu'il a atterri très loin du véhicule. Je peux analyser la disposition des taches pour déterminer le point d'impact initial. C'est là que Remo a été tué. L'ADN indique que la voiture circulait à une vitesse élevée. Mais les éclaboussures révèlent que le conducteur a perdu le contrôle et que la voiture zigzaguait. Je devrais analyser la scène pour voir s'il n'y a pas un autre impact. L'analyse chimique indique une marque spécifique de peinture. Cela permet de déterminer la marque et le modèle de la voiture. En comparant cela avec la liste des membres de l'équipe, j'obtiens un seul nom, John DeMarco. Allons lui rendre une petite visite. Quelque part. Et alors? C'est pas comme s'il pouvait dire où c'est maintenant. Faut juste faire profil bas et fermer notre gueule. J'espère que t'as raison. Je sais que j'ai raison. Pourquoi avoir fait ça, DeMarco? Pourquoi avoir tué Remo? Les boeufs carottes avaient pas assez de trucs sur nous. Mais le môme, il a eu peur. Il a passé un accord, et il a décidé de parler. Le traître. Vous seriez sorti de prison dans quelques années pour la drogue. Mais un meurtre, c'est la perpétuité. C'est ce qu'on verra. Avec toutes les preuves que j'ai réunies, le jury ne mettra pas longtemps à délibérer. Ce qui est bien avec les preuves, c'est qu'elles ont tendance à disparaître. Non, pas quand je suis là. Alfred, dites au GCPD que le meurtrier de Remo a été capturé. Je vous envoie aussi une confession sur bande. On va faire tomber le reste de l'équipe avec lui.
disponible. Donnez votre statut. On a peut-être une mission. Qu'est-ce que tu veux? Les données que tu t'es procurées pour Enigma, où sont-elles? C'est bon, d'accord. Me fais pas mal. Oh, le voilà. Je veux mourir. Arrêter ce combat et sécuriser les produits chimiques. Il faut du...
Y'a quoi dans ce conteneur? Un cadeau pour elle, Réfé. Il y en a plein d'autres. Où se trouvent les autres? Pas question que je le dise. Mon frère, on est sur le port. Mais le Dwayne des Cobblepot nous a envoyé ses hommes. Il faut que tu viennes. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est l'endroit. Je dois maintenant trouver la boîte. Où se trouve le conteneur? Envolé. Tu le trouveras jamais. Monsieur, votre tenue détecte des traces d'éléments d'un composé utilisé dans la fabrique du venin. Il semble que les conteneurs contiennent les ingrédients nécessaires à sa création. Je vais devoir chercher où ils les ont emportés. Puis-je suggérer d'analyser la zone? Ils ont dû laisser des traces qui vous mèneront à votre destination. On dirait qu'ils vont au club Mayalibai.
verre est un pot de bol. Tout est fermé ce soir. Il doit bien y avoir un café ouvert dans les parages, non? Il y a plein de cafés et aucun n'est ouvert. On pourrait s'y introduire. Et si on se fait chauffer? T'imagines? Désolé, monsieur l'agent. On va les casser.
Bien, tu veux le club? Prends-le! Mais quand le patron va découvrir ça... Il s'en mêlera pas s'il tient à sa vie. Ah! Batman! Tu es venu comme Bane l'avait prévu. Descends de ton perchoir que je puisse te tuer. Il suffit de demander. On m'appelle Bird. Un lieutenant de Bane. Si je t'élimine, ça le fera réfléchir. Ha ! Bane a déjà tout ce qu'il lui faut. Il te trouvera. Et il te brisera ! Alfred, contactez le GCPD. Ils seront ravis de questionner ces hommes. Thank you.
Bane. Il va mourir. Le signal du mouchard provenait de quelque part dans ce tunnel.
Sa tête sera pour Bane. Y'a pas de place pour toi ici. Faut lui donner le sang. Je suis coincé. À moins que... je pourrais utiliser ma grenade collante pour faire un radeau. Le mouchard est quelque part dans les parages, ce qui veut dire que Bane est sûrement là aussi. –
projet TN1. On dirait que Bane teste une nouvelle forme de venin. Quoi que ce soit, c'est ça qui a dû causer les modifications physiologiques que j'ai constatées sur le cadavre au GCPD. Une partie de ses recherches a pour but de l'aider à surmonter sa propre addiction et dépendance au venin. Il ne peut pas survivre sans. Très impressionnant. Mais on dirait que Bane n'a pas trouvé comment contrer les effets secondaires que ce composé a sur les zones de la mémoire. Au manoir Wayne. Entendu. J'appelle la police. Non, je ne peux pas prendre le risque qu'il découvre aussi mon identité. Enfermez-vous dans la Batcave. Qu'allez-vous faire, monsieur ? Je vais venir vous rejoindre. Je trouverai bien quelque chose. Je dois retourner à la Batcave, et rapidement. Jetpack, il est armé d'un lance-flamme. Plusieurs otages sur le pionnier pris. Firefly. Il doit savoir que le Joker est en prison. Et il met ses gens en danger pour pouvoir m'atteindre. Delta 6-5 à centrale. Qui est l'agent responsable sur le pionnier ? Le capitaine James Gordon est l'agent responsable. Beaucoup de vies peuvent être en danger sur le pont. Si je peux pirater le canal de communication de Firefly, je pourrais en savoir plus. Et si les pics, c'est quoi que ce soit ?
tuer quelques otages. D'accord. On attend combien de temps pour déclencher les minuteurs sur les bombes? Pas avant que Batman arrive. On attendra toute la nuit s'il le faut. Il y a 50 millions de dollars en jeu. Alfred, Firefly a des otages sur le Pioneer Bridge. Je dois m'occuper de lui avant de revenir. Vous pouvez laisser la police s'occuper de Monsieur Linz. Surtout à la lueur de ce que nous venons d'apprendre. Je ne peux pas abandonner les otages. Ils sont en danger à cause de moi. À cause de la prime que le Joker a mise sur ma tête. Vous ne craignez rien dans la Batcave. Nous avons des otages en danger. Mettez-vous en position et préparez-vous à foncer sur mes ordres. Ne provoquez pas le suspect et ne l'attaquez pas. Il a des otages sur le niveau inférieur du pont. Mettez-vous simplement en position. La dernière fois que j'accepte de prendre un truc qu'on m'offre. Tirer Firefly loin du pont pour pouvoir approcher sans danger. Sur le pont, mettez les minuteurs.
On les enverra tous en enfer. Gordon n'ordonnerait pas de foncer s'il savait pour les bombes de Firefly. Je dois l'arrêter avant qu'il envoie ses hommes dans un piège. Centrale, ici Marine 4. Où est le poste de commande tactique? On est censé obéir à Gordon. Le poste est dans le pilier central, à la base du pont. Escape. C'est Batman! Quelqu'un sait combien il garde d'autres. Vous emmerdez! N'envoyez pas vos hommes. Firefly a garni tout le pont d'explosifs. Montrez-vous! Allez-y! Non! Rappelez-les! Si Firefly fait sauter le pont, il y aura d'innombrables victimes. C'est à cause de vous que les gens sont en danger. Il fait ça pour la prime qu'il y a sur votre tête. Vous devez vous rendre! Je vais aller chercher Firefly moi-même. N'envoyez personne tant que je ne donne pas le feu vert. Vous allez rester en dehors de ça! C'est compris! À toutes les unités, restez en position. Et à
dois interroger un de ses gardes pour savoir combien de bombes Firefly a posées, ainsi que leur position. Qu'est-ce que vous allez faire de notre part ? Je vais m'acheter un bateau. Regarde-moi ce bateau. Un bateau ? Qu'est-ce que tu connais au bateau ? Vous pouvez tous voir ! Je dois interroger un de ses gardes pour savoir combien de bombes Firefly a posées, ainsi que leur position. Qu'est-ce que vous allez faire de votre part ? C'est mon jour de chance ! Suivez-moi, faites choper ! Come on.
position, je vais t'avoir. Mais merde, où est-ce qu'il est passé? Je sais que j'ai entendu. J'en suis recouvert dans ces boîtes-là. Mais je comprends pas. Mais hé, hey, quoi? Je vais te retrouver. Je te trouverai. Attendez, je vais te... Allez, allez. Je vais bien. C'est ce que j'ai coincé dans ce match. Je vais faire. Il est là où? Je sais pas où il est passé. Je vais pas te lâcher. Je vais flinguer tous les mâchoires. Quoi? Mon grand démon.